Donc monsieur Blondio, voilà une réaction par rapport au résultat de ce soir. Donc vous avez été élu maire. Évidemment très satisfait du résultat. C'est avant tout le résultat d'une équipe, avant d'être le résultat d'un homme. Certes, j'étais tête de liste, mais sans cette équipe autour de moi, autour d'un même projet, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et donc, voilà, vous l'entendez autour de vous, ça. Il y a eu une réaction collégiale qui s'est créée. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une vraie volonté des Sentinellois au changement. Voilà, super content, très content. Bien sûr, aussi une soirée pleine d'émotions avec mon père. Pourquoi mon père ? Parce qu'il a été élu maire. Il a été battu. Mais là, lorsqu'il a été élu, ça m'a rempli d'émotions. J'étais fier du fait qu'il soit maire de cette commune qui s'appelle la Sentinelle. Et puis, donc, il m'a offert ce cadeau. Et je lui rends ce cadeau en gagnant, moi, ce jour, aussi l'écharpe. Et donc, c'est aussi une histoire familiale, même si, je me répète, je ne l'ai pas fait dans ce sens. C'est important que les gens le sachent. Je ne suis pas parti en campagne dans un esprit revanchard, mais vraiment parce que les Sentinellois souhaitaient que je me présente à ce suffrage et souhaitaient que je gagne cette élection. On a réussi ce pari avec notre équipe, très belle équipe. Et puis, donc, voilà, maintenant, on a écrit la préface du livre et les pages blanches restent à écrire et on a 6 ans pour le faire.